Flop à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la revue d'actu de ce mercredi. Eh bien écoutez, on est parti, on va découvrir ça tout de suite. Ça commence tout simplement par nous donner des petits dés de l'aventure occulte ancestrale. Alors, est-ce qu'on a besoin de dés? Est-ce que vous avez besoin de dés? Moi, personnellement, oui. Vous avez besoin de dés? Mettez le grappin sur les dés grâces au défi 60 et 30 minutes. Du 26 au 7 novembre, donc voilà, il suffira juste de se connecter et récupérer pour 30 minutes et 1 heure des dés. Mettez le grappin sur davantage de dés grâce au Twitch Drop obtenu après 2 heures de visionnage. Donc une fois que vous aurez visionné 2 heures, vous aurez un coffre de l'Oasis, conseil de Valk 25-35 et des sauts de drop de Black Desert plus des petits dés, voilà, orange et violet de l'esprit occulte. Donc voilà, donc dans l'autre actualité, on voit tout simplement pourquoi il nous donne des dés. C'est tout simplement l'aventure ancestrale fait son retour pour Halloween. Hop, ici, vous aurez les petits dés avec tous les petits loot à récupérer selon sur ce que vous tombez. Voilà. Donc, à chaque tour terminé, vous aurez une clé citrouille brillante. Un tour terminé, 10 fragments de mémoire. Deux tours terminés, un conseil de Val 80. 3 tours terminés, un baluchon de boss effrayant x2 et 4 tours terminés, l'eau d'aventure insolite. Voilà. Déguster des friandises d'Halloween gracieusement offertes par Rubin au parc d'attractions de Marny. Il suffit d'aller voir Rubin. Là, il se situe ici, juste là, comme vous pouvez le voir. Labo. Vous avez le labo ici. Rubin, il est juste là. Et voilà, accepter la quête événement parchemin de métamorphose en magot amélioré numéro 5 du PNJ Rubin. Et remettez l'objet clé citrouille brillante que vous avez vu tout à l'heure. Hop, ça nous donnera ça. Voilà. Événement de clé citrouille brillante. Contre. Hop. Conseil de Valk 20 ou 50. 10 crons, 30 crons. 5 fragments de mémoire ou 20 fragments de mémoire. Voilà. Petit cadeau en plus à récupérer. Pour le baluchon de boss effrayant, vous pouvez voir, il y a la magie de concentré de Veil, le petit cœur de Garmotte, le cœur de Karanda, le cœur de Koutoum, les ailes de Kak. Il y a pas mal de petits cadeaux sympathiques à récupérer. Et pour les aventures insolites, vous avez des pierres de cron, une boîte de tenue premium x10. Ouais, ça peut être très intéressant. Chez Halloween, des costumes, des trucs, des boîtes de tenue premium. Pas mal de petites choses. Hein. Très très sympathiques. Alors l'actu suivante, c'est tout simplement un petit concours de déguisement d'Halloween du 25 octobre, donc de après maintenant jusqu'au 1er novembre, vous pouvez prenons un air effrayant. Voilà. Hop, vous pouvez faire une petite capture d'écran et aller sur le site pour sûrement la mettre. Alors attendez, on va regarder ça un peu de plus près. Publiez vos captures d'écran dans la publication, faites figurer votre nom de famille, la région, les hashtags Black Desert Halloween obligatoire sur Facebook, Instagram et Twitter. Sur X. Voilà. Ah ouais. Vraiment effrayant. 12 gagnants, 6 Sena, 6 EU pour du tenue de pays des merveilles ou boîte de citrouille. Tenue de citrouille. Le 7 Équin et Seros le Cerbère. Voilà pour la récompense de ce petit event de concours. Soyez le plus moche. Bah moi je pense que je vais participer avec le personnage que Evelyne m'a fait. Je vous mettrai ça, évidemment. On va essayer. Allez, on passe à la petite boutique de perles. Donc on va la zapper vite fait, voir un peu ce qu'il y a. Il y a un coffre de perles spécial Halloween 1 plus 1, 6000 à coin pour 6000 plus 600 x 2, en gros. Hop, vous avez 10 000 plus 400 prières de cron, plus un coffret de bonus au choix 7 jours. Ok. Coffret de perles spécial Halloween x2, niveau 2, donc 20 000 plus 3400, 1000 pierres de cron, un coffre de bonus au choix 20 jours et coffre de domestique au choix, ok. L'eau insolite, donc c'est ce qu'on a eu tout à l'heure qu'on pourra voir, à 900 perles, hop. Bon ça c'est tout ce que vous pouvez gagner dedans, donc là vous pouvez le voir un petit peu de plus près de ce qu'on a parlé juste dans l'event avant. Voilà, là vous avez même les petites icônes, c'est magnifique. Fait costumé d'Halloween. Hop, fait costumé d'Halloween. 1900 pour le boîte de costumes spécial 1 et 2. Donc ici, vous pouvez voir le 1 si vous cliquez. Hop. La Wooza et la Mégou. Guerrier. Sorcière. Rôdeuse. Le berserk. La dompteuse avec la tenue de la chaille. Le musa avec le tenue de la chachine.
La lame sombre avec la tenue de la Valkyrie. Point furieux. Ici, vous avez la mystique. La lane. Après, vous avez l'archer. La shy, ici, avec la tenue de... De Berserk. La Valkyrie. La Maiwa. Et vous avez le magicien après. Après, vous avez le sage, ici. La corsaire. La Dracania, la magicienne, la Kuno ici, et après vous avez le petit ninja, bien sûr, la gardienne avec la tenue de la lame sombre, la Shashin ici avec la tenue de sage, et la Nova avec la tenue de la rôdeuse, hein, si je me trompe pas. Et après vous avez le niveau 2, spécial 2, donc, guerrier, sorcière, rôdeuse, hop, magicienne, berserk, ninja... La dompteuse, le musa, la valkyrie. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis de beau? La maiwa, le magicien. La kuno avec la tenue de la lane. Alors, la lane, l'archer et la lame sombre. Et là, vous avez le point furieux et la mystique ici. La guarde, le sage, la shy. La corsaire, très jolie. Avec ici la Drac, la Shashin, la Nova et la Wuza avec la Megu. C'est tout simplement la tenue de Sorx. Hein. Non, on dirait une tenue de Sorx, je suis pas sûr. Si, Lucien Mur, c'est la tenue de Sorx. Hein. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on descend après. C'est fait de costumer, toujours pareil, avec le set de tenue Parfum Ardent et Galacius, Galacias. Pack de mémoire d'Halloween 1, 1215 pour 60 mémoires artisans, plus des petits bonus. Le niveau 2 pour 4355 avec 250 mémoires artisans et plein de petits bonus en plus. Offre de 400 perles de cron. L'horreur de 400 pierres de cron fois 1. C'est 400 perles. Hein. 400 perles pour 1 l'horreur de pierre de cron. Pardon, excusez-moi. Fois 2 pour 400 perles aussi. Vous avez l'eau mystique de x2 pour 400 et le x1 pour 400. Okay. Là, vous avez le coupement de changement de compétence de monture x3 pour 400. Perles, hein, toujours. L'arme des lions pour 400 perles x20. Ouais. Le lot d'aventure insolite ici, c'est une série à faire. Hein. Vous faites l'étape 1, vous avez l'étape 2 ainsi que l'étape 3 qui est quand même énorme. 10800 l'étape 3. Oh! Après, vous avez une série 1, donc l'aventure solide. Donc, c'est la série, hein, c'est ce que faut acheter le 1 pour avoir accès au 2 et le 2 pour avoir accès au 3. Alors, le 1, c'est tout simplement un lot d'insolite et un lot mystique de pierre de cron. Le boîte 2, niveau 2, c'est 5 lots d'aventure insolite avec la boîte de mécanique de Marnie. Le niveau 3, c'est 15 boîtes d'aventure insolite avec une boîte mécanique de Marnie. Et coffre d'Halloween effrayant x3. Ah, une petite boutique de perles. Alors, pack de profession d'Halloween sucré pour 100 pièces. Cookies, thé noir de Lara, florin et destrier. Ok. Pour 100 pièces, vous avez quoi d'autre? Alors, attendez, ça c'est de quand? Du 25 au 8. Du 25 au 8 aussi. Donc, 100 pierres de cron. Idée de l'illumination. Conseil de val 60, parchemin, augmentation de butin x5, ok. Réduction de 30% sous les sous-vêtements. Pareil sur les accessoires, ben, n'hésitez pas. Premium comtesse sanglante pour la Nova à 3060. Perles, voilà. Écoutez, voilà pour la petite boutique de perles, j'espère que ça vous a plu. Allez, voilà, on est parti pour le patch note. Alors, il y a pas mal de petites choses intéressantes. C'est au niveau du contenu, déjà maritime. Ici, vous avez le nouveau système d'eau profonde et de guidage d'eau qu'il y a. Donc, lors du départ pour un voyage vers l'océan, à bord de votre navire, l'affichage de la topographie a été amélioré pour rendre la traversée plus agréable. Désormais, la vitesse du navire est pleinement appliquée dans le grand océan via la mise en place de la topographie eau profonde. De plus, vous pouvez également vérifier que vous entrez dans la zone topographique, guidage d'eau qu'il y a, où vous pouvez traverser rapidement les courants marins dans les formation topographique. Ok, donc voilà. Plutôt sympa. Franchement, j'aime bien l'effet qu'ils ont mis ici.
On voit ici ce que ça donne, hein, carrément, avec le bateau. On testera, hein. De toute façon, nous, bien sûr, on teste tout. Il y a le débarqué aussi qui est pas mal, donc dès que vous vous approchez du bout à port, paf, débarqué qui apparaît sur votre écran, vous allez le voir ici, paf, hop, ça nous TP directement au bout à port, ça c'est cool. Hop. Après, c'est les monstres, hein. C'est au niveau de la lampe de Dekia, hein. Ils ont modifié pas mal de petites choses, alors je ne connais pas spécialement parce que je n'y farme pas, donc je sais simplement que le temps de recharge là de 5 minutes est passé à 1 minute. Et que vous avez la zone d'effet qui a été réduite de 60%, mais la distance à laquelle la lampe est désactivée est toujours de 100. Ok. Donc ça pop moins loin, mais par contre, ça, vous pouvez toujours, c'est toujours assez loin pour que ça se désactive. Ok. Ils ont modifié la DP des monstres de Terre de Cyclope de Dekia et la forêt d'arbres épines de Dekia ont été affaiblis. Ok. C'est plutôt intéressant. Alors j'ai jamais farmé là-bas, donc bah, j'ai pas encore le gear, hein, donc c'est pour ça. Forêt des cendres a été modifiée afin de permettre l'utilisation de la lampe à des emplacements définis ici. Voilà. Là, hop, ils ont mis quatre petits icônes jaunes. Voilà, n'hésitez pas à prendre ce screen sur votre Discord pour pouvoir voir pareil ici pour Loom. Et tout coup, ta forêt d'arbres épines. Hop, vallée de Loom. Alors, les monstres apparaissaient dans la chambre de Marnie secrète des ruines a été réduite de 35%. Alors, l'ombre d'Ocul d'Ilazara a été réduite, CPV de 30% et CPA de 30%. Hop. Après, c'est des petites corrections hein, de quêtes, de traduction, etc. Donc, ça, tout va bien. Bon, écoutez, du petit contenu sympa, à voir ce que ça donne le maritime. Vous m'en direz plus, évidemment. Et moi, on se dit évidemment. Comme d'habitude, à très bientôt. Merci de m'avoir regardé. Comme d'habitude, pour la revue d'actu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire en dessous de la vidéo. C'est un soutien énorme et je vous en remercie d'avance. Si vous voulez me soutenir un petit peu plus, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un énorme soutien. Ça ferait aider énormément la chaîne. Donc n'hésitez pas. Et si vous voulez me soutenir un petit peu plus, vous pouvez rejoindre le programme Rejoindre où vous avez les mini VIP à partir de 99 centimes d'euros. Voilà. Et moi, je touche que 70-30, c'est mieux que sur Twitch. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous qui le feraient. Allez, on va se quitter là-dessus. Bon jeu à tous et à très bientôt. Bye bye!